Encore une fois, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, c'est un plaisir pour nous avec vous et après-midi. Émission ça, c'est l'actualité de la semaine qui vient de nous. Chaque dimanche, dans le ça, à côté, nous vient et font ramasser de tout ça qui fait actualité. Et pas bon ici, et dans le pays de la CAI. Si c'est pour la CAI, il y a un pile d'actualité. Il y a un pile d'actualité dans le pays de la CAI. Et bien, t'as le conseil, nous pral rentrer ensemble avec vous pour un pile d'images, ou même qui n'a pas de chance, ouais, image, qui n'a pas de chance à garder l'image pendant la semaine. Ben rendez-vous, c'est dans l'émission ça, qui vient de nous chaque dimanche, pour tout ça qui fait actualité dans le pays de la CAI. Tout point qui fait actualité dans le pays de la CAI. Encore une fois, sur Facebook ou bien YouTube, nous demandons pour partager avec l'autre monde. Partager avec l'autre monde. C'est le seul moyen capable de supporter nous, bah non cher, yon like et sur Facebook là, et bien, et ça fait du bien pile, en pile, en pile, ou même qui sous 1410 AM et 98.1 FM, et bien, nous demandons d'aller sur chaîne 31 locale, hein, locale chaîne 31, pour capable garder tout ça qui fait actualité dans le pays d'Haïti pendant ce moment-là. Yon petit pause, tout de suite après, nous allons tourner avec vous. Nous émettons désormais sur le 1410 AM et le 98.1 FM Stéréo. Population de Boston et des zones avoisinantes, confiez-nous votre écoute et nous en prendrons soin. Boston Caribbean Network Radio, une nouvelle dimension de la radiodiffusion dans la diaspora. Hello Boston, moi qui ai une bonne nouvelle pour nous. Ou qu'attendez BCN, Boston Caribbean Network Radio sous 98.1 FM. Et ça qui belle là, ou qui a double chance, ou qu'a toujours écouté radio sous 1410 AM. Boston Caribbean Network Radio, c'est radio pour communauté caribéenne. Hello Boston, moi qui ai une bonne nouvelle pour nous. Ou qu'attendez BCN, Boston Caribbean Network Radio sous 98.1 FM ou même qui dans zone Lynn, Malden, Somerville, Everett, Medford et Cambridge. Et ça qui belle là, ou gain double chance, ou qu'a toujours écouté radio sous 1410 AM. Boston Caribbean Network Radio, c'est radio pour communauté caribéenne. Voilà, et merci de nous tourner avec vous encore sur Fait brancher ou sous Radio Télé BCN. Encore une fois, toutes les amis qui sous télévision, hein, nous apprécions ça, nous demandons un petit cher. Vous êtes capable d'aller sur Facebook et partager, aller sur YouTube et like nous sur YouTube et pour capable connaître et le nous dans l'air. Alors nous la 24/7 bien entendu, mais quand même c'est le lacay ou bien un travail au cap toujours qu'on est parce que spécialement avec émission et les matins et sous télévision qui c'est actualité pardon qui c'est Bonjour Haïti pardon Bonjour Haïti qui vient jouer nous chaque matin 10h 11h côté nous fait tout pays d'Haïti pour vous et dans nord dans sud département l'ouest la Tibonite et pour nous capable faut vivre qui gens zone ça lever dans matin alors on allait et nous connaissons cette actualité c'est ça fait manifestation en Haïti et ben et un étranger monsieur dit son professeur ici aux États-Unis qui toujours descend en bas participer dans manifestation et ben monsieur dans manifestation hein, côté monsieur était fait des déclarations que nous trouvons qui ont été intéressant parce que monsieur dit que eh bien, les États-Unis toujours, il y a dit qu'il y a démocratie, mais cependant, toujours à peser l'autre pays. Et parmi eux, il y a Haïti là-dedans. Alors, on suit une déclaration que M. Defe fait lui-même pendant la manifestation en Haïti. Conseil professeur, relations internationales avec l'Institut Amérique latine et Caraïbes. Ok, non, c'est pas moi. Danny Shaw. Tu as joué moi dans Facebook, Twitter, tu vas ça. Donc, on a été là depuis 4 jours là parce que dernièrement. Donc, on est venu pour mobilisation 14 février. On travaille avec. Qu'est-ce que ça? Parce que moi, j'ai Coca-Cola qui c'est un gros sale impérialiste. Bien qu'on travaille avec l'organisation haïtienne parce qu'ils nous comprennent que l'ennemi c'est pas le peuple américain, l'ennemi c'est le gouvernement. Pour qu'on ait eu un problème, c'est l'ennemi qui joue à voler Haïti. Haïti c'est un pays qui est riche. Ah bah, je suis américain. Ah, je suis américain. Je suis américain.
Qui ça t'a dit au fait d'abord? Qui ça m'a félicité? Donc qui t'a dit au fait pour essayer de faire la situation? Donc, moi, je suis venu ici parce que moi, je suis professeur dans la République dominicaine. Moi, j'ai fait police dominicaine, militaire dominicain, gouvernement dominicain. J'ai fait un pile à vie sur le peuple haïtien. En 98, je me dis qu'il faut que je prenne par l'école pour que je campe avec les paysans haïtiens dans Saint-Domingue. Je parle cinq langues, je suis internationaliste. Même si je suis un petit collègue, je me dis que je ne suis pas blanc, je suis internationaliste. Blanc n'est pas une couleur, blanc c'est une mentalité impérialiste. Il y a un peu de monde Boston qui a regardé la oui sur télévision BCN 31.3 et qui sont capables de dire pour aider les Haïtiens qui ont Boston, Massachusetts. Ah oui. Vous voulez qu'il m'a parlé anglais ou créole? Non, créole. Créole. Créole, vous parlez anglais. Je salue tout le monde Boston, Brockton, Randolph. C'est un basse haïtien. Je suis fait dans Brockton. Mais nous avons un message pour Jaspoa. Qui ça y a fait pour payer? Est-ce que vous comparez avec Biden, avec Trump, avec l'impérialisme? Comparé avec toute masse peuple là, avec Constitution 87, Jaspoa yo, yo ka joué yon rôle qui est important. Si faut Jaspoa yo, yo pas comprendre situation de ya. Yo critique qui gagne moun qui boule yon caoutchouc. Mais les Haïti a boule, les ministres a tiré moun, c'était soleil, yo pas jamais dit rien. Ça veut dire c'est qu'il y a un pile d'hypocrisie. Et tant que Malcolm X t'a dit, les États-Unis n'ont pas une démocratie, seulement une hypocrisie. Et nous, est-ce que vous avez montré tout vis-à-vis de couleur ou de nationalité? Et puis pourquoi position ça? Vous voulez poser une question? Oui, je voulais poser une question. Parce que toujours dans l'arrière, on a regardé par Facebook, mettre maillot, on va mettre au bail pour pas expliquer mieux. Transition Trump, c'est pas une transition. Oui, mais qui s'allie? Qui s'allie? Une transition haïtienne, 100% haïtien, nous-mêmes qui haïtiens. Voilà, nous tournons avec vous encore. J'en tape suivre la déclaration étranger ça, les mêmes qui dit que si pays a côté là, les États-Unis toujours prôner démocratie, alors il a toujours pesé l'autre petit pays. Et les petits gens intéressants parce que où elle connaît un pile zone qui n'a ghetto yo, la palais de Haïti, la palais de une série de zones et qui en Haïti et les mêmes qui intérêt que le gagne, qui intérêt que le gagne, c'est question ça un pile monde a posé. Alors on allait toujours dans affaire manifestation qui était en Haïti côté et manifestants était prend béton hein, tu gagne un pile monde qui était mobilisé 28, 29 et 30 et mars et gagné en pile monde et gagné quelques monde que en pile monde connaît qui dans média qui participer tout mais avant nous aller là on regarder qui gens population était prend béton 28 29 à 30 mars c'est passé là. Pour
Voilà, et je nous souhaite garder là, c'est comme ça. Et la population entreprend la rue. Pendant 3 jours, ça passé, 28, 29, avec 30. Et côté que Mounio a craché colère, il dit que le pays n'a pas qu'à aller dans la situation pour aller là. Et puis devant un journal là, même si le journal là, pardon, dans la rubrique ça, côté que nous pour aller. Alors, journal là, pas oublié, journal là, c'est lundi au vendredi, 9h du soir. Et nous allons montrer côté que bandits rentrent dans l'église, ok, bandits rentrent dans l'église et ils ont kidnappé pasteur, ils ont kidnappé monde qui était dans chorale, qui a chanté, qui bondit, etc. Et nous allons nous serrer la vidéo ça pour un dernier, nous serrer pour un dernier parce que c'est sous les nous allons faire un petit râler après-midi. Mais en nous tournant dans la manifestation côté et journaliste Jean Monnat lui-même était participé. Et lui-même la by opinion de situation ça qui a passé dans le pays d'Haïti qui Jean lui-même li well et même qui pas trop différent avec en pile l'autre monde dans population on a rappelé même qui sur radio et au capable aller sur chaîne 31.3 pour capable suivre rubrique ça qui c'est actualité de la semaine qui vient chaque dimanche dans le ça on allait avec journaliste Jean Monnat mettait lui même qui t'a réagi pendant ta participer dans la manifestation. Voilà que vous entrez et puis vous êtes même clair avec vous, que ce soit dans la radio ou travail là, ou bien l'autre confrère. Tout cap vient tout, oui, selon l'opposition, mandat fini, dilatoire à faire, dans le journal, il y a gêné pour vous dire. C'est pour tout le monde avant tout le monde paraît pas clair, dissolvé. Est-ce qu'on est démocrate, Jean-Aristide Tétia, est-ce qu'on partisan, c'est héroïque ou bien c'est héroïque pour la démocratie? C'est comme ça que je débat. Et bonjour, Zamolan. Je sais que nous, même peuple qui n'est pas d'accord, référendum, nous avons fait un pile de matchs déjà pour nous marcher. Et nous connaissons des grandes émissions. Il y a des grandes émissions qui fait, mais je venais utiliser des têtes droites à l'identité dans le projet là. Nous avons crainte ou bien nous pensons que notre bail qu'on a café qui a pas de côté. J'ai retour que la défaite du droit est provisoire, mais aussi le peuple pas en perdu la bataille. C'est détermination qui a fait ça. Qui ça je venais café? Nous sommes tant de son radio là, il y a des amis qui ont dit. L'église par vous, vaudouisant par vous, étudiant par vous, professeur par vous, avocat par vous, à qui mon jovenel a dirigé là? M'daemel dit qui est-ce qui dit d'accord avec le projet là? Ou avez quelques raquetteurs qui toujours là, ou avez dans tout régime, qui glissent quand vous pouvez faire un monnaie? Mais qui mon jovenel a dirigé là? Est-ce que j'aime diriger un peuple contre volonté? Ou pas jamais ça fait tout le monde? Jovenel sont sans honte liés, même si vous mettez tout Haïti dehors dans la rue, la propose pas comprendre rien. Mais là, nous sortons, nous ne sortons pas pour Jovenel, parce que nous connaissons si c'est pour lui, pas nous sortons. Nous sortons pour tuteurs, pour les gens qui mettent en esclave ici, pour la communauté internationale, là, qui comprennent que Jovenel a un petit brin de légitimité toujours, quelqu'un a organisé des débats. C'est avec nous parler, pour nous dire, mes peuples, mes référendums, mais ça nous voulait. Nous ne parlons pas de Jovenel, nous ne parlons pas de rien qu'à faire là-dedans, pas de quel référendum. D'ailleurs, d'accord, le peuple, nous avons depuis hier. Il a commencé à racher ben drôle bagaille et référendum. Qui référendum? Alors, le problème, ça, c'est le problème pays. Nous avons la police nationale qui est humiliée et la village de Dieu. Qui ça a fait? Il n'y a pas rien où est après ça, et Léon Charles Chita a fait, c'est à passer mon bêtise, mon inspecteur général changé, pour la persécuter, SPNH, un syndicat qui est légalement reconnu, alors que premier ça pour prendre cette décision pour tête pour le mettre à la disposition de la justice. Parce que je voulais mettre bout de couille dans la tête. Le jour 7 février, elle était prise en pause comme s'il prenait des joueurs au coup d'État. Et il a mis en train, militaire, en coussin bas, et sérieux, il a réglé. Joue policier, frère, d'amener au besoin. Il a brûlé pendant 2 heures de temps en bas. Dis-lui en danger. Je ne vais pas bout de couille. Voilà, et je nous saute garder là. C'était le journaliste Jean-Monnat Metelus qui a réagi pendant la participation à la manifestation. Qui t'a fait dans la semaine dans le pays d'Haïti, c'était 3 jours de manifestation 28, 29 et 30. Alors, on est allé regarder qui la population a réagi. Nous allons aller dans le nord, côté yon dame lui-même, a craché colle, loué avec un pile d'énergie que la paix lancé et flèche sous pouvoir en place là, d'après madame, nan, qui pas fait ça au doué fait, qui pas vraiment travaillé dans l'intérêt de la population. Hein. Ou kawa énergie qui la donne et qui n'a passé
et frustration en côté ça pas différent de toute l'autre zone qui dans pays d'Haïti en aller dans au Cap avec une manifestant qui t'a réagi. Voilà, nous avons suivi et manifestant ça, et qui a réagi lui-même, et côté qui n'est pas différent avec n'importe quel prince. Encore une fois, émission ça, c'est l'actualité de la semaine, côté tout ça qui est passé en Haïti pendant la semaine, et nous venons ensemble avec vous pour nous capables et fort vivre au même qui peut-être pas de guetant et pendant semaine pour vous, ben nous venons ensemble avec vous pour nous capables et faire vivre. On a allé dans Port-au-Prince et pour nous garder qui Jean et là où il était hier qui Jean Mounio t'a réagi pendant semaine. Je ou même décider une de travail, nous clairement dit nous pas accepter ça. Au péril de vie. Jodi a nou soti ka fwa repon, nou fè tout pakwa. Nou la, e nou wè la polis, yon komportman jiska prezant, nou pa ka reposhe yon deran. E nou di yon, mwen men militer sa ou fè. Jèk to basyon di, men ti kat la wè, men yani, maman men yani, papa, avè di polisye ou komanse pre konsen, kon pil ki bala tek mwen, ki ti met kaleb, e pa nou mèm non, ki arete avè son gonèk. Met kaleb, se kom se gouvernement, oui, ki met ou manis ki arete avè son gonèk. Se mou lè sa nou mèm, nou klèr. Moi même mettre quand je bâtis tout mon bloc je dis à nous que plus que 100 avocats dans bloc là qui détache nous qui mettre René Joseph qui c'est mon bloc là qui c'est chaque bloc là nous quoi qui mon avocat qui c'est chaque bloc là qui là nous même nous là la petite bataille la bataille au péril de la vie moi même mettre quand je mourir faut démocratie reste faut que démocratie dans pays faut qu'il y ait démocratie nous pas d'accord dictature mais sans fort et vous soyez de nous ça nous même là ça petite bataille Maître Joseph Fresnel, la petite bataille, tout le monde a petite bataille pour que la démocratie vienne en Haïti. Voilà, et c'est comme ça a été dans Port-au-Prince.
et côté que manifestants ont pris béton, ils ont réagi et voyez toya sous gouvernement en place à insécurité côté a demandé Jovenel Moïse pour le bail talon. Alors et nous allons prendre une pause là nous tourner n'a continuer parce que n'a fait toutes les actualités qui étaient passées dans la semaine là nous allons vivre encore une fois sur la radio n'a demandé au capitaine de nous demandons aller sur chaîne 31.3 nous c'est une plateforme solide radio avec toute télévision sur deux fréquences radio 98.1 FM et 1410 AM pour servir et chaîne 31.3. On a le petit pause, là nous tourner, nous pour aller avec ancien sénateur Steven Benoît lui-même qui était participé à la manifestation hein, et nous pour faire vivre réaction ancien sénateur. Bonne nouvelle pour vous. Du lundi au vendredi de 5h jusqu'à 7h en après-midi, émission politique autrement entraîne dans Papote la Caillou avec Dominique Donna, Guital Merceda, Ralph Constant. Pour faire un petit chita parler sur tout ça qui a fait actualité, pas bon ici, à notre pays la caille. Pas oublier, du lundi au vendredi, de 5h jusqu'à 7h dans l'après-midi, sous chaîne 31.3, chaîne locale là, ou bien sur l'autre plateforme, tant que Radio Bookman qui est dans le pays d'Haïti, qui est sous 95.9 FM, Alexa, Zino, Audio Now, Roku, Facebook, YouTube, Firestick, pour suivre l'émission pour là. D'ailleurs, avec Politique Autrement, tout le monde la donne. Voilà, nous tournons avec vous. Émission, ça, c'est l'actualité de la semaine. Côté nous passer en revue tout ce point qui est fait actualité dans la semaine, non? Et je nous ai constaté, c'est manifestation. Nous prenons le tourner dans votre prince pour manifestation qui était organisée. Côté ancien sénateur Steven Benoît a participé là-dedans. On nous faut suivre réaction ancien sénateur, qui j'en ai même lié ouais, situation, pays, qui solution. Et on nous rentre avec sénateur, ancien sénateur Steven Benoît. Le jour de l'année, pour nous bonjour pacifique, organisé, que nous remplacer. C'est trois fois, peuple dans la rue, diplomatiquement, politiquement, faut nous chita pour jouer une solution. Donc, nous-mêmes, nous venons tous les trois. Donc, bataille. Et nous espérons demain, la semaine prochaine, la proposer de plan une solution. Les gars, nous déjà eu, et moi, pour le 21 janvier, malheureusement, à quoi équipe qui décide de quitter l'île, dénoncer pour le refus de signer l'île. Donc, pas de problème. Nous allons remettre, d'ailleurs, nous recommencer la réunion pour nous essayer d'avancer à moi. Est-ce que tout pour la signer, pas de problème. Mais au moins, si on masse critique dans la société civile, le parti politique qui signe, c'est déjà un gros avancé là. Comme nous sommes pacifiques, pas de violence. Donc, option ça, nous allons continuer le travail. D'ici peut-être week-end prochain, avant pas l'espérer pour une solution. Nous allons travailler pour ça. Vous satisfait des journées aujourd'hui là? Vous satisfait des journées manifestations ça? Et Val Donnel. Moi très satisfait. Et seul bagage est permettre pour petit écart. Et là, vous êtes devant primature là. Et bon passe au sénateur pour capable poser une question. On met poser sénateur la question dans mon moment. Oui. Pardon? Qui te dit élection 2015, c'est bon, mais ça nous connaît pas de l'élection 2015. Nous qui continuons à supporter la loi, on a parlé de l'ambassade américaine, l'ambassade de France, l'ambassade Canada, l'ONU, OEA, Union européenne. Tout le monde qui continue à voir le président, alors que le peuple haïtien, pratiquement en entier, pour une constitution pays, nous dit, et bien nous dit, nous constatons, à travers l'article 134.2 constitution, que le mandat Jovenel fini. Donc, conseillez-moi, comme son marionnette liée, comme son pote lié dans main étranger, donc pour lui-même, plutôt, pour lui-même, plutôt son pote, plutôt son marionnette. Voilà, et nous sommes suivis ancien sénateur Steven Benoît lui-même qui a réagi, qui a appelé sur la situation que le pays a traversé. Et lui-même qui était participé dans la manifestation. On allait toujours dans la manifestation, mais cette fois-ci, la police a été bloquée au Delma pour empêcher les manifestants de traverser. Et même motocyclette, personne, machine ni moto pas capable de traverser. Côté la police mettait gros camion dans la route là. On nous rentrait droit sur Delma et avec PNH là qui a essayé de stopper les manifestants pour ne pas monter en haut. On suit ensemble.
l'hôpital Dominique, nous sommes capables nous au niveau de Delma 60, zone ça les mêmes qui est complètement bloquée, puisque eh bien, des camions gaz, les gens ont tout fait comme d'habitude, eh bien, nous longer dans la zone ça, nous longer, et bien la calée, bien côté bien. Les militants eux-mêmes, ils ont parlé très dur avec nous, la police, ils ont parlé très dur avec nous, eux-mêmes, les passés. Voilà, et c'est comme ça que ça a été sur Delma. Nous prenons une petite pause, nous avons tout à l'heure de brancher sur BCN. Actualité de la semaine, côté nous avons pile image pour que nous prenons partager ensemble avec vous, ou même qui a suivi nous sur Facebook, sur YouTube et sur chaîne 31.3. Restez là, pas déplacé, nous venons avec l'image pour vous. For a part-time or full-time position as a PCA or CNA over at Brigham and Women's Hospital? Well, look no further, because they have excellent trainings, career opportunities, and full-time employees. They are located in the Longwood Medical Area. Mostly night and evening shifts are available. For more information, call us over at 857-307-1487. 857-307-1487. Come and learn what an exciting place that Brigham is and be part of the solution at Brigham and Women's Hospital. Voilà, et merci parce que vous avez toujours été ensemble avec nous. Et il n'est pas différent dans toutes les zones dans le pays d'Haïti, côté que les manifestants ont même pris la rue pour cracher la colère. Mais quand on est là, on est allé dans la zone au Cap, côté que. Et à part de manifestations, il y a l'autre mouvement dans la zone au Cap, côté l'État, marché dans la rue, et surtout dans Bizisio, et bien retirer, prendre, saisir les produits qui expirent et aller bouler. Et côté que vous dit bon, vous pral et commencer et pénaliser business à eux-mêmes qui. Et pas suspendre 20 produits qui expirent. On a allé avec l'agent ministère commerce, lui-même qui t'a, dans ce sens-là, boulé une série de produits que y a été saisi dans la ville locale. D'après ce qu'il a aujourd'hui, parce que nous sommes arrivés en phase de destruction de produits avariés que nous avons saisi dans différents marchés et supermarchés. Dans ville Okaï et environ ville Okaï. Et c'est peut-être ça, je dis à présence la presse là, suivant ça la loi mandé nous, c'est présence un juge de paix et puis la presse pour nous faire destruction produit ça. Vu un problème qui gagne dans le pays, côté gagne magistrat qui est kidnappé, gagne grève que magistrat a entamé. Il n'y a pas de présent, mais il a verbalisé de façon pour assurer que le produit que nous saisissons, il a brûlé effectivement suivant ça la loi mandé. Et c'est peut-être ça que je dis à là, nous avons demandé à Yonan Pouagno pour commencer par jeter gasoline sur eux et puis nous avons flambé. Mais m'a tout profité du moment ça là. Pour moi, dit exactement à la population, à chaque fois que nous sommes faits, on saisit, je vous demande pourquoi ça ne pas citer non mon yo.
même toujours dit que me pas citer pour ça parce que la loi fait une obligation pour me protéger mais les dit qui côté me protéger. Nous arrivons en phase qu'on y a là côté monde ça une cité là c'est des récidivistes. C'est monde que à plusieurs reprises non saisi produit la caillou. Nous obligés mettez population au courant de ça. Mais non, commercial que nous saisissons produit. Nous gagnons au bon prix. Nous saisissons 114 produits. Il y a rue Nicolas Geffra. Nous gagnons résurrection. Nous saisissons 50 produits. Il y a rue Général Mario. Nous gagnons Moudjolo. Nous saisissons 24 produits. Et sur le boulevard des quatre chemins. Nova variété. Nous saisissons 8 produits. Château d'Inde. Voilà, nous sommes gardés à Jean et ministère commerce. Là, les mêmes, ils ont pas à mettre du feu dans le produit saisi. Monsieur Marqué Koury. Alors, et conférence de presse PNH à Tébaye, côté, et yo baille un bilan de arrestation de drogue que yo saisi. Il semble que yo saisi un bon coup kilo cocaïne dans le pays d'Haïti. On a les droits avec PNH là et pendant conférence de presse que yo te baille pour capable montrer population hein, et quantité de drogue que yo saisi, armes et moun qui déjà en arrestation. On a les droits avec conférence de presse PNH à Tébaye pendant semaine. Voilà, nous sommes sur la conférence de presse PNH là et tout de suite après, nous n'avons même pas perdu du temps, nous pourrons retourner dans le nord, côté que, eh bien, pour la première fois, au repas, qui c'est entité eux-mêmes qui make sure que gagne de l'eau, yo bay de l'eau, c'est yo touche comme bien entendu. Bon, moun yo gagne plus problème joine de l'eau que bilan toujours venu Bordeaux de l'eau toujours venu moun yo payé, yo pas ka joine de l'eau. Mais aurait parlé même qui c'est instance qui occupe des affaires de l'eau dans pays d'Haïti, et ben li met sous pied un programme pour moun yo payer bill yo. Et si li relé yo capable utiliser mon cash et pour payer bill yo, mais nous aller avec le responsable là, M. Poisson, lui-même qui a donné plus de détails sur le mode de paie et nouveau système ça qui a mis en place pour capable aider Mounio à payer Bilio de l'eau plus facile. Alors, est-ce que vous avez de l'eau pour Mounio payer? Est-ce qu'il y a touché Bilio? On va aller avec M. Poisson. Nous obligés de mettre la vie. Nous avons fait, on vit, on levait dans la nuit,
commence à 10h du soir, nous préparons une là. Dans deux matins, nous avons une loi, nous avons une loi de l'air, sans aucun problème, réservoir plein de la jutia. Si vous avez une vidange, vous nettoyez, vous retirez le réservoir, vous prenez le bagage, vous ouvrez le système de l'infrastructure au niveau nord, vous semblez avec le pays. Vous semblez avec sa capoire, vous semblez avec la ville au cap. Si ça nous voulons faire, nous voulons toute infrastructure, l'eau par exemple, vous voulez dire un bon changement. Nous voulons poser des changements ça depuis un an. Voilà, nous tournons avec vous, on va suivre BCN, actualité de la semaine. Et côté, nous faut suivre tout point qui fait actualité dans le pays d'Haïti. Et pas bon ici, nous pour aller dans le pays d'Haïti, toujours dans la conférence de presse que le leader opposition, André Michel, côté, lui, a critiqué pour vous en place là. Et surtout dans les affaires PNH et mon office police qui mourit et mandat d'arrêt qui lancé derrière une série de agents dans PNH. On allait avec André Michel pendant la conférence de presse. Je parle avec vous là, je mets Arnel Rémy qui est sous place, Croix des Bouquets, devant prison. Je mets Marc-Antoine Maisonneuve qui est sous place, devant prison, Croix des Bouquets. Je mets Théophane qui est sous place, devant prison, Croix des Bouquets. Et il y a tant que vous mettez dehors, les gens ont été arrêtés depuis 7 février 2021. Dans affaire faux coup d'État, Jovenel qui est accusé de série de citoyens. Tout de suite, nous finissons de mettre ça qui dehors, ça qui est en prison, pour des bouquets au dehors. L'huissier avec tout avocat, il a monté cabaret, parce que l'autre monde qui est en prison, cabaret. Et nous saluons le courage de cette composition de la Cour d'appel de Port-au-Prince, qui a rendu cet arrêt ordonnance historique. Nous tous nous déconnaître, pas de aucune raison pour te mettre dans la prison. Pouvoir tes besoins, faire diversion, écraser mobilisation. Voilà, nous sommes suivre déclaration Maître André Michel et dans conférence de presse et dans même conférence de presse ancien sénateur Nenel Kassi était là et ton n'a pas changé côté il y a pour Gotoya sous gouvernement en place là. Et même qui plan opposition en gagné et en nous rentré avec ancien sénateur Nenel Kassi. Dans pays a cap marcher jodi a pas gain la loi, pas gain institution, pas gain rien cap fonctionner. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire définitivement c'est nous pour prendre destin en main. Et c'est dans ce sens ça m'a dit 28 29 30 mars cap vinnan. Fok étudiant yo, jeune yo, syndicat yo, société civile la, paysan, ti machan, ouvrier ouvriers, chauffeur moto, chauffeur yo en général, professeur, artiste, organisation de base yo, organisation femme, politique yo, radio yo, la presse. Faut que nous prenions responsabilité pour nous descendre sous béton pour nous dire que nous ne prenons pas de provocation blanc avec Jovenel Afrène. Parce que question référendum qui a parlé, question élection qui a parlé, que Jovenel fait mandat, il va arriver à faire même élection pour un Kazek, mais je dis que ce n'est pas la constitution que Jovenel a mis dans la tête, qu'il a changé, ce n'est pas l'élection qu'il a fait pour les Haïtiens. Ça veut dire nous ne prenons pas prendre la provocation. Ça. Et nous avons dit, ce n'est pas 28, 29, 30 mars
qui peut montrer la position du peuple haïtien. Tout le monde connaît la position du peuple haïtien déjà. Tout le monde entend des voix sectaires en deux pays. 28, 29, 30 mars, il parle une autre occasion encore pour le peuple haïtien exprimer. Parce qu'il a demandé le monde dans la rue. Nous mettons le monde dans la rue. Ils ont tué le monde pour nous. Ils ont arrêté pour nous. Ils ont mis le monde dans la maison pour nous. Mais nous faisons résistance. Et c'est ça qui fait que je ne suis pas capable de voir un roi bobo pour avocat, M. André et l'autre, qui arrivent à mettre prisonniers politiques 7 février dehors. Voilà, nous sommes sur la déclaration de Nel Kassi et les mêmes qui suspendent caché Colel et contre pouvoir en ça. Ceci dans Nel Kassi, dans la même conférence de presse, nous avons gagné André Michel, Nel Kassi et Woni Timothée, les mêmes, pas traité bouche bée, les mêmes, ils ont pris la parole côté. Ils ont fait frustration le passé. On suit un extrait. Question visa, question passeport, question monde qui va voyager, ça va faire une bac, ça va faire une peur sur question visa. Parce qu'il y a été plus important pour nous qu'ils a fait visa. Et l'autre bagaille nous vient rappeler avec le peuple haïtien, c'est que 29 mars, c'est pour l'anniversaire de la Constitution. Là, fait exactement 34 années. 34 années, depuis nous avons une Constitution qui est seule boussole. Et je dis, nous gardons nous deux trois grands mouns, semblent être en don Chankai, pour nous dire qu'on va refaire la constitution. Même si les papas ici connaissent la constitution 29 mars 47 là, qui dit que Jovenel Mandal fini. C'est la constitution ça qui dit que nous avons le droit pour la police. C'est la constitution ça qui dit que toute institution de l'État doit marcher normal. Je dis, c'est pour la responsabilité de chaque grand monde pour sortir dans la rue. Eh bien, réaction pas différente. Quand on va suivre l'actualité de la semaine, chose à venir nous chaque dimanche et dans le ça pour nous capable de suivre tout point qui fait actualité dans le pays d'Haïti. Et je nous sommes suivre là en pile manifestation, en pile réaction de secteur opposition. On y déroche réaction toujours même gens et côté lui-même, il dit personne monde soucieux de pays ça. Et yo pas capable pouvoir en place là fait preuve qu'elle pas capable diriger pays ça sans prendre temps en aller avec Oni de Roche pour plus explication. Même d'après mon lit la travail pour l'institutionnalisation de la démocratie. Ça veut dire que n'a travail pour que l'esprit démocratie a principe démocratique yo capable chita dans toute institution, institution politique, institution sociale, institution économique. Mais le n'a gardé actualité politique là, je dis à actualité sociale et économique là, nous ouais que c'est pas ça qu'a fait. Nous mêmes gain impression que de 86 à nos jours n'a marqué le pas, nous pas capable véritablement institutionnaliser démocratie. Hein. En effet, je dis, nous avons une situation que nous sommes capables de régler, une situation extra-constitutionnelle, puisque à cause de dirigeants qui mal gèrent la politique pays, nous n'avons pas gagné un pouvoir législatif qui a produit des lois, qui a contrôlé sa exécutif l'a fait. Justice n'a pratiquement pas fonctionné depuis plusieurs semaines. Et justice à bio, yo aux abois, yo pas capable de joindre justice. Nous ouais tout que exécutif là lui-même, il a accaparé tout pouvoir. Yo. Et nous en face aujourd'hui a un pouvoir autoritaire au lieu que nous face avec un pouvoir démocratique. Nous ouais, il y a un pile problème dans politique. NR Boston Caribbean Network Radio. Nous émettons désormais sur le 1410 AM et le 98.1 FM stéréo. Population de Boston et des zones avoisinantes, confiez-nous votre écoute et nous en prendrons soin. Boston Caribbean Network Radio, une nouvelle dimension de la radiodiffusion dans la diaspora.
Hello Boston, moi qui ai une bonne nouvelle pour nous. Ou qu'attendez BCN, Boston Caribbean Network Radio sous 98.1 FM. Et ça qui belle là, ou qui a double chance, ou qu'a toujours écouté radio à sous 14:10 AM. Boston Caribbean Network Radio, c'est radio pour communauté caribéenne. Hello Boston, moi qui ai une bonne nouvelle pour nous. Ou qu'attendez BCN, Boston Caribbean Network Radio sous 98.1 FM ou même qui dans zone Lynn, Malden, Somerville, Everett, Medford et Cambridge. Et ça qui belle là, ou gain double chance, ou qu'a toujours écouter radio à sous 14:10 AM. Boston Caribbean Network Radio, c'est radio pour communauté caribéenne. Hello Boston, moi qui ai une bonne nouvelle pour nous. Ou qu'attendez BCN, Boston Caribbean Network Radio sous 98.1 FM ou même qui dans zone Lynn, Malden, Somerville, Everett, Medford et Cambridge. Et ça qui belle là, ou gain double chance, ou qu'a toujours écouter radio à sous 14:10 AM. Boston Caribbean Network Radio, c'est radio pour communauté caribéenne. BCNR, Boston Caribbean Network Radio. Nous émettons désormais sur le 14:10 AM et le 98.1 FM stéréo. Population de Boston et des zones avoisinantes, notamment de Malden, Somerville, Medford, Cambridge, Everett et Lynn, confiez-nous votre écoute et nous en prendrons soin. Boston Caribbean Network Radio, une nouvelle dimension de la radiodiffusion. Voilà, et nous avons suivi réaction et Ronnie Deroche, qui n'est pas différent de tout l'autre monde, et nous pourrons aller et avec un autre membre d'opposition qui c'est Edzer Jean-Louis même qui réagit qui Jean-Louis qui sa opposition pral fait pour capable déchouquer Jovenel Moïse aller sans perdre du temps avec Edzer Jean-Louis. Depuis 214 l'année, il y a sous-sel. Et bien nous-mêmes, nous ne sommes pas capables encore.
nous dit Jovenel Moïse, allez pour aller parce que nous avons une constitution référendum, nous avons une constitution pépin, nous avons une constitution assassin, nous avons un référendum volé, nous dit c'est allez pour aller. Merci beaucoup. Nous ne pouvons pas monter Pétionville, nous ne pouvons pas monter Delma, c'est cette compagnie nationale parce qu'elle migre tout le peuple haïtien là, mais elle n'a pas le national. Je dis à nous de nous baguer pour nous perdre, nous avons seul intérêt commun, c'est bien que Jovenel le parle national pour nous faire un nomen parce que le mandat Jovenel fini. Longtemps ça, le président de la dictature 57, et bien nous-mêmes nous parlons de dictature 57, nous parlons de dictature encore, parce que nos parents nous ont fait bataille pour le système ça, parce que quand il y a qui s'en dédie, c'est craser la mer. Voilà, nous sommes suivis la déclaration M. Edzer Jean-Louis lui-même qui a réagi et lancé boulette rouge sous pouvoir en place là. Eh bien, nous pouvons aller dans l'autre direction qu'on est là. Et nous tous connaissons policiers PNH qui étaient tombés en babal bandit lâche dans le village de Dieu. Eh bien, nous connaissons gagné quelques agents accusés qui étaient dit bon, yo va ouais, sûrement yo t'es mort dans des choses qui t'a fait dans Universal Motors. Alors madame Jeannie agent qui était mort, madame était obligée bah en conférence de presse pour démentir ça a dit de Maril côté que il pensait pas juste pour Maril fin mourir dans condition ça et puis pour gen moun k'ap fè gros menti sou dol. On a allé avec madame Jean Daniel et dans une conférence pour la presse. Voilà, nous sommes sur la réaction madame Jean-Daniel, qui est un agent PNH qui est disparu. Et Abel Gouneg, c'est porte-parole SPNH, là, et un ancien policier qui a gagné un mandat d'arrêt et de elle, côté accusé de un paquet de bagages. Et bien, lui-même, il a gagné seul qui débat en conférence de presse. Alors, pendant même conférence de presse, que André Michel et Nerel Kassi et l'autre participé à Don, et bien, ils ont même tout là, ils ont chaque. Et même tap défon et famille ce Abel Gouneg tap défon Abel Gouneg pour dire que Abel pat nan sa qui t'est passé il pat nan 509 et il est pas gagné rien pour louer avec yo et madame Jean Daniel lui-même et qui obligé à défon et non Maril en allé avec ce Abel Gouneg qui était porte-parole ancien porte-parole et SPNH. Puisque on va prouver ça au client, et nous demander libération.
Voilà, et sous fait brancher sur BCN, Boston Caribbean Network TV, n'a pas et faire suivre tout point qui fait actualité dans le pays d'Haïti pendant ce maintenant. Émission ça vient de nous spécialement c'est parce que nous connaissons un pile monde qui pas gain temps pendant ce maintenant et ben et nous ba opportunité pour suivre tout ça qui fait actualité dans le pays d'Haïti surtout ces fêtes Pâques encore une fois on dit tout le monde joyeux Pâques et yo la caillou yo pas de contact passé tout le monde très occupé émission ça c'est pour spécialement et les fêtes pour capable rester connecté avec pays ou et puis devant et nous pour aller fort suivre les affaires kidnapping qui étaient fait tout dans l'église là côté que jusqu'à présent kidnappeur a demandé en pile l'argent puis capable libérer mon yo et yo bah une extension jusqu'à demain si je veux pour yo font gens pour yo venir avec l'argent côté yo demandé $1 million pour pasteur et l'autre monde qui était kidnappé yo $100,000 par tête. On nous tourne avec André Michel dans la conférence pour la presse que le débat et côté la défense des policiers qui est avec la recherche d'ailleurs. Voilà, et réaction pas suspendre, tomber, tribord bas-bord, et sorti dans l'opposition, et tomber dans le secteur privé. Mais il y a un secteur qui commence à paraître tête li, tout doucement, ce secteur-là va là, ça. Et bien, côté que M. Diogène, t'es prend béton en tout, ensemble avec tous ses partisans, Jean-Bertrand Aristidio, M. Diogène, lui-même, j'en oublie à le constater, l'elle prend la parole, c'est presque PA qui a parlé, c'est même formule qu'il a pu utiliser sous même ton. On suit porte-parole et la valasse là, M. Diogène lui-même, qui t'apprend la parole dans nos formules la valasse. C'est Digicel qui te transforme tête en KFP. Mais je dis,
support tout le monde, quel que soit côté, pour camper en héros, pour camper en héros. Barré zéro. Héros. Barré zéro. Maintenant, pendant héros à barré zéro, à barré zéro à travers mobilisation sous toute forme. N'a barré zéro à travers mobilisation sous toute forme. Maintenant, mobilisation sur toute forme, mais qui s'allie. Ah ben, ou qu'a fait sitting, fait sitting. Ou qu'a fait match, ou qu'a fait manifestation, parce que, quel que soit, ça y est ici, jouer une boule faite, au nom de la loi, il sentit que l'action c'est la posée, pas capable. Contribuer, le chavier, je dis à ce pour le faire. Parce que je dis à nous tous en danger. Côté mon la saline, on danger. Côté mon bel air, on danger. Côté mon cité soleil, on danger. Côté mon matissant, on danger. Côté mon cafoufeuille, on danger. Quel que soit côté où il y a, on danger. Mais je dis à parce que bon petit groupe criminel, bon petit groupe assassin, qui ont même remis dictature, qui ont même pris plaisir dans la dictature, nous même massio, nous croyons nous créer la démocratie. Et c'est peut-être ça, nous devons faire 7 février 86, qui t'a parlé par nous, avec la constitution 29 mars 87. Là. Maintenant, je dis là, même Mounsayo, qui ont même été kidnappé pays pendant 29 ans à partir de la dictature, c'est même eux-mêmes qui retournent là encore pour être capables de continuer à faire le régime dictatorial. Là. Par conséquent, ils n'ont pas fait, ils ont fait zéro l'école, ils ont fait zéro l'hôpital, ils ont fait zéro. Ils ont fait tout ça, ils ont fait zéro. C'est-à-dire que nous-mêmes, peuple là, c'est nous-mêmes qui te bataille pour nous faire le 1er janvier 1804. Par conséquent, nous sommes des héros. Mais je veux dire, on a continué nous-mêmes des héros pendant qu'on a barré zéro. Héros, barré zéro. Héros, barré zéro. Maintenant, pendant qu'on a barré zéro, on a barré zéro, n'a barré zéro yo, à travers les. Voilà, j'en suis suivi, c'était porte-parole la Valas là, M. Diogène, et Cap Rimé, zéro, héros. Sorti dans porte-parole la Valas là, on a allé, nous allons au Cap. Côté li pas différent de en pile l'autre zone et côté quelques monde dans population frustré de zak insécurité qu'a fait la vie chère et qui bon dans pays a et ben grand dame qui avec en pile énergie il t'a demandé grâce à Jovenel Moïse pour ba yo changer en aller dans noir avec voilà, et nous sommes suivis Dame Zaha dans le nord avec un pile énergie qui a craché Colel. Et il n'y a pas pour compte lui, il y a un pile d'autres monde qui ont une situation même genre. Et nous même quand vivons ici, à chaque fois que le téléphone nous sonne, nous sommes 509 ou bien nous sommes un monde en Haïti qui a brûlé, qui a sauté.
et bien qu'elle nous tout saute, qu'elle nous tout saute parce que nous pas connaît pour qui ça moun sa brelé, nous pas connaît si c'est pas bandi ka brelé peut-être pour mander rançon pour moun qui a kidnappé, nous pas connaît si c'est pas relé après nous pour dire nous kidnapper un moun. Et ça vient créer une tension dans communauté haïtienne dans la diaspora et en Haïti, il est pas différent côté et ben chaque fois un monde sorti, yo pas connaît si la rentrer, si le rentrer, connaît la rentrer. Même dans zone côté gen guerre, bandi essayer épargner l'église, l'hôpital. Mais dans pays nous, ça nous remarqué c'est que bandi sans foi ni loi, yo rentre dans l'église pour kidnapper monde. Jusqu'à côté ça pour aller. Jusqu'à côté nous capable tolérer ça qu'a fait. C'est pas question de pour Jovenel Moïse ou contre Jovenel Moïse. N'a pas rappelé émission ça pas une émission de nouvelles, c'est une rubrique liée, ça veut dire que nous ca font analyse la donne ou même ca garder nous étendre nous. Parce que li pas juste pour un monde dans l'église la pas adoré surtout dans période pascal là pour bandi rentrer kidnapper moun ça ni pasteur avec fidèle dans l'église là. Nous pensons que l'État, jusqu'à présent, si nous-mêmes nous avons déclaration, peut-être le président pays en fait ou bien l'autre monde qui fait responsable, pour qu'il n'y ait rien qui sorti officiellement qui a dit. Bandi après les familles, chaque jour, pour celles qui ont besoin de rançon pour les gens qui ont kidnappé. Est-ce que la police est moyen de gagner pour le traquer téléphone et victime, non? Ou bien c'est volonté de pas gagner? Ou bien est-ce que l'État accomplisse la donne? Ou bien est-ce que le kidnapping non, c'est politique lié? Nous allons suivre la vidéo côté yo rentrer dans l'église là et yo prend pasteur avec jeune dame qui a chanté avec jeune garçon et l'autre monde encore. $100,000 par tête. Pasteur a estimé lui-même li ka paye plus, seulement $1,000,000 pour lui. On fait mon suivre qui gens ça s'est passé dans l'église. Adventiste Antikini. Découragement, des puissances pour la craser persécution, des puissances pour craser haine, des puissances pour craser jalousie, des puissances pour craser découragement. Gé bon Dieu, mettez gé puissance, c'est le droit de Dieu pour le frapper. Par la foi, nous croyons que bon Dieu pour le frapper. Mais voyez dossier monter, voyez nous monter en bas live là. Ou même sur YouTube là, mettez-nous. Ou sur le monde qui est malade, mettez-le. Ou le monde qui est persécuté, mettez-le. Et nous avons chanté le nom de Jésus. Est si doux, le nom de Jésus est si doux. Voilà, mes scénarios qui a passé, bien qui t'est passé dans l'église côté moun vin adorer. Nous ouais commitment dame n'a chanté, li ouais li peur, mais l'obligé dit Jésus a quand même. Nous ouais réaction yo, ou même qui a gardé là, qui a tendé qui peut-être gien famille en bas. Imagine pour une seconde, matin en mal l'église, pendant dans l'église ça passé dans tête moi. Je me dis what if sans mon rentre là qui reproduit ça me saute garder dans télévision. Ça veut dire si moi même cap vivre aux États-Unis ça passait dans tête moi. Ça veut dire mon qui a Haïti matin qu'à l'église ça passait dans tête tout. Ou bien il doit gagner mon qui parle l'église peut-être ça. Parce que au pas qu'on est et si on rentre on bandit rentrer l'église si on pas faire même genre tout. Il y a quelqu'un doit gagner mon qui parle l'église matin peut-être ça. Il doit gagner mon tout qu'à l'église matin et ben la prière on j'ai fermé on j'ai ouvert. Est-ce que ça a doué fait? Qui ça a l'État irresponsable en abdi dans ça? Quel que soit l'appartenance politique. Mais là, je pense que c'est clair. C'est clair que nous n'avons pas de monde qui est responsable, nous n'avons pas de monde qui peut défendre nous dans le pays d'Haïti.
li clair et simple que l'État ça a démissionné. Pour un bandit sentir le confort à basser, rentrer, venir prendre mon nom dans l'église, kidnapper comme ça. Et l'État n'a pas sorti pour dire mais ça a fait, mais ça a fait. C'est un bagage qui est sorti public, qui est passé sur tous les réseaux sociaux, il y a un Noël. Alors l'État a dit que il n'est pas capable de traquer le téléphone victime que les bandits ont utilisé pour les parents et pour prendre comme. Il n'y a pas de faire ça. Il n'y a pas de moyens pour faire ça, mais il n'y a pas de acheter un pile de zoréquin, il n'y a pas de voler, il n'y a pas de faire tout ça. Mais il n'y a pas de acheter équipement pour traquer le téléphone victime, côté bandit, ça y est. Ou bien c'est volonté avec pas gain. Ou même qu'il y a gardé ou à juger, ou même. Dans quel pays il y a vivre, quel pays il y a gagné, comment pays ça va. Et comment nous-mêmes nous avons participé pour le pays à avancer. Ce n'est pas possible pour les bandits de rentrer l'église. Même dans le pays où il y a la guerre, ils ont protégé l'église, ils ont protégé l'hôpital. Dans le pays, nous, eh bien, pas de monde n'a pas kidnappé. Machine, plaque service, l'État là dans le dos. L'État n'est pas capable. On est qui est ce monde que le bail plaque machine service l'État. Il pas connait qui plaque yo qui est ce gagne yo. On pense l'État qu'a fait plus. Il pas en question que côté fanatique Jovenel, côté pour Jovenel ou côté contre Jovenel que on en opposition ou pas. Mais population pas gagne rien pour voir ça qu'a passé. Pasteur qui est dans l'église là pas gagne rien pour voir ça qu'a passé. Son droit monde n'a gagne pour rentrer en côté pour aller prier en paix. Mais matin là en pile dans nous à l'église eh ben gien ka prion j'ai fermé on j'ai ouvert gien moun qui parle l'église matin en Haïti gien moun qui à l'église là eh ben qu'elle a sauté si bandi pas rentrer l'église à dans période ça vient prendre plus moun ou bien si pendant la sorti bandi pas kidnapper ça pas capable continuer comme ça. Je pense que quel que soit moun en quel que soit appartenance politique faut réaliser que ça n'a pas qu'à continuer comme ça. Il faut ça suspendre. En cas, c'est rendez-vous demain après-midi dans l'émission politique autrement. Côté que nous faisons analyse sur ce qui a fait dans le pays, nous et pas bon ici. Et restez sur le journal là. Et chaque jour, 9h du soir, le journal là vient de nous avec le reporter Panou, qui a gagné sous place en Haïti. Et pas oublier rendez-vous sur la radio demain matin, 98.1 FM. 14-10 AM avec Bonjour Haïti, nous faisons un pays pour nous capables de nous quitter un pays enlevé. Restez soudés, nous souhaitons que peut-être les bagailles vont changer, mais c'est qui les va changer. Parce que si nous continuons à faire le même choix que nous avons fait, eh bien, nous ne pouvons pas l'autre résultat. Si tout le monde est toujours dans la rue, a suivi la machine, la guerre pour continuer, c'est eux qui ont dégagé pour vivre, eh bien, nous ne pouvons pas gagner l'autre résultat. Si moun 5, 6, 7, 8, 10 ans dans la rue qui suivent machine, qui a vivent dans la misère, pas qu'à l'école, c'est eux-mêmes qui prennent le gros bandit demain si je veux. Qui ça de la 50 nous en fait? Je te dis, c'est pour vous et si moun l'école. Qui ça comme sous transfert, yo, appel téléphonique, yo. Qui j'en ai pas suspendre? Parce que c'est pas une grande zone, c'est pas seulement. Un département dans le pays a gagné bandit, c'est tout le pays en net. Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a changé? Parce que nous, tout le bandit, il y a un seul bagage. Il dit que faut l'État venir, venir mettre travail dans le quartier, venir mettre l'école, venir mettre ceci, venir mettre cela. Mais est-ce que c'est moyen ça pour ça fait? Les gens qui kidnappent, ils n'ont pas gagné pour aller à l'État. Nous avons besoin de kidnapper. Hey, nous avons besoin de Jovenel Moïse chaque jour dans le palais. Monsieur qui ban zam yo nou kon kote yo ye. Monsieur qui ban kob pour acheter bal met nan zam yo nou kon kote yo ye. Li pa gagne pour lui avec pasteur, il pa gagne pour lui avec fidèle te vinn prier. Son droit ki yo gen. Ça pa ka rete comme ça. C'est là nous camper avec actualité de la semaine. Nous souhaiter que te passe un bon weekend. Pendant ou ap manger poisson la kay, ou ap choisi pi bel moso poisson pour manger. Eh bien, il y a 4 familles
et plus même, yo même qui seulement souhaité famille te ka vinn jwenn yo. Gen un paquet l'autre monde qui maré sac nan tête qui nan ti chambre qui yo kidnappé. Kap dormi à terre, qui a violé, y a maltraité, y a battu yo. Pendant nous-mêmes, n'a choisi qui mo sou poisson pi belle qui manger pour nous manger. Mais pensez avec Sila qui en bas. Non seulement pas qu'à manger, mais au même qui n'a misère, qui n'a crié, qui n'a souffrance. Bon week-end tout le monde qui est là. C'était Dominique Dona. Vous tapez sur l'actualité de la semaine. Et là, t'es comme ça. C'est pour dimanche prochain, même l'heure. Restez soudés ensemble avec nous. On cherche en live. Si c'est la première fois que vous regardez la télévision, ça, son chaîne est haïtien 24 sur 24 que lié. Vous regardez sur Facebook là, on like, on share. Restez soudés avec nous sur radio, à ton radio et télévision qui est normal. Sur deux fréquences pour servir, 14 AM et 98.1 FM. Restez soudés ensemble avec nous sur ta main, qu'on est qui gens. Actualité, pas bon, ici, c'est dans le pays de la caille. Bye bye tout le monde. Bon week-end.